Salut à tous, c'est Nathan, on se retrouve sur Sigma Theory et c'est le deuxième let's play. On va s'identifier et continuer notre petite partie tranquillement et voir ce que ça donne. Alors, on avait quelqu'un aux États-Unis, je me rappelle, donc eux ils sont toujours occupés. Toi, qu'est-ce que tu pourrais me faire? Lui, on est bon, chercher une arme, il en a une. Peut-être pirater, ça pourrait peut-être être sympa. Voler de données, baisser le niveau d'alerte. Il a 70% au niveau d'alerte, c'est vrai que ce serait pas trop mal. Allez, on va baisser le niveau d'alerte. Toi, qu'est-ce que tu pourrais me faire? Chercher une arme. Qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? On va localiser les scientifiques. Ouais, voilà, très bien. Et ben c'est tout. Toi, il te reste combien de jours? Un jour, ok. Et ben, fin du tour, on va voir ce que ça donne. Alors, état d'avancement. Et bientôt à 100% pour ça, l'opération d'Inde au Congo est terminé. Vos drones ont été utiles. Ah, bien. Relation améliorée avec l'Inde. Pourquoi pas. Ça, c'est cool. Il a pas réussi à séduire. Merde. Aïe, aïe, aïe. Ok, l'Allemagne, ils sont à 90%. Il faudra baisser le niveau. Il faudra absolument baisser le niveau. Où est-ce que je peux t'emmener, toi? Je sais pas trop quoi faire, parce que là, ils sont à 70%. Je suis français. Et les Russies, il y a le Japon. Peut-être aller en Russie. Tiens, va en Russie. Toi, est-ce qu'on lui dit de misogyne et tout? Est-ce qu'on l'enlève? Est-ce qu'on le corrompt? Convainc. Intelligence. Il est intelligent ou pas, lui? Ah, 5. On pourrait essayer de le convaincre. Allez. On va essayer de le convaincre. 3 jours. Ok, c'est long. On va voir ce que ça donne. L'horloge atomique, elle est un petit peu avancée, mais c'est pas grave. Alors là, il faut qu'on regarde un petit peu notre technologie. 80% niveau de Turquie, ok, bon. On va voir, lui, il est... Chan Ho, l'œil de dragon, colonel. Je représente l'œil de dragon, nous voulons poursuivre le domaine. Ok, alors oui, ça c'est quelqu'un. Nous voulons solliciter votre aide. Si vous voulez nous aider, nous en avons un. Nous avons une première mission à vous confier. Nous sommes en pleine guerre des triades et nous souhaitons éliminer nos ennemis. Nous préparons une attaque en Chine. Placer un drone de surveillance. Pour nous. Ok. On va placer un drone de surveillance. Ça, c'est combat. Drone de surveillance en Chine. Hop. Et on verra ce que ça donne. Toi. Tu veux pas localiser des scientifiques? Non? T'as pas envie? Ce serait pas trop mal? Qu'est-ce qu'il pourrait faire, lui? Lui, on le connaît. Ah non, bon, on va lui demander d'enquêter. On va lui demander d'enquêter. Qu'est-ce qu'on fait? Là, eux, ils sont à combien? À 80%, mais eux, ils sont à 90%, l'Allemagne. On va lui dire d'aller en Allemagne. Infiltration. On va lui demander de garder quand même son arme. Pour le moment, j'ai pas eu de combat, alors j'ai quand même pas envie de... Nouvel agent débloqué. Ah, ok, d'accord. Ok. Catch, qu'est-ce qu'il y a? Colonel, vous savez bien que j'ai des liens avec mon pays d'origine, la Corée du Sud. Celle-ci m'a confié une mission d'enquête. Ok, une opération qui va prendre 5 jours, tout au plus. Merci de me confier votre permission. Tiens, vas-y, je te donne ma permission, comme ça au moins t'es content. En plus, les relations augmentent et il sera indisponible. Bon, pour le coup, il me servait pas à grand-chose, donc ça va, c'est pas dramatique. Ça, maintenant, t'as ça. Neurosciences, vitesse totale, ok. Mentalis. Il me faudrait quand même d'autres chercheurs. Franchement, il me faudrait d'autres chercheurs. C'est... Un jour, il me faut d'autres chercheurs. Fin du tour. De toute façon, là, je peux rien faire. Mon agenda est vide. mission accomplie, j'ai pu prendre une discussion. Très bien. De recherche, j'ai rassemblé des renseignements utiles. Ok. T'as rassemblé des renseignements utiles, d'accord. Toi, tu vas aller aux États-Unis pour baisser le niveau d'alerte. Toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu vas enquêter. Toi, tu vas enquêter. Toi, t'es indispo. Le drone, il va arriver. On n'est pas trop mal. Alors, ça augmente tranquillement. Ça, je vais regarder ce que ça me donne. Alors, ok, elle est paranoïaque. Ok, alors ça, c'est pas terrible, terrible, terrible. Mais bon, pourquoi pas. Tu vas enquêter encore. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire de faire? Elle est très intelligente. Alors on peut lui demander. Et si on essaie de la corrompre? Je sais pas, on va voir. Hein. On va voir toi. Tu vas à piratage.
Allemagne, piratage. Merde, qu'est-ce que tu fais? Non, force pas. Non, je peux pas annuler. Si, je peux annuler. Piratage. Baisser le niveau d'alerte. Voilà, je préfère que tu fasses ça. On va essayer quand même que ce soit pas trop la fin du monde rapidement. Empathique. Ok, ça me va. Qu'est-ce que je pourrais te demander de faire, toi? Reconnaissance agent, faire une mission pour faciliter ses prochains. Ah! Allez, vas-y, fais ça. Fais une petite mission de recours. On va voir ce que ça donne. Niveau d'alerte. Ah, merde! Oh, merde. Liberty Talent, qu'est-ce qu'elle me veut? Nat, ton sang de Sigma nous a montré tes résultats intermédiaires. C'est fantastique, nous avons de quoi créer une énergie quasiment gratuitement. C'est donc aussi terrible que nous allons perdre tout notre marché au tiers-monde. Je ne servirai plus à grand-chose. Donc est-ce bien de garder ce secret encore un an ou deux? Je te donne 2 mois. Voilà, pas plus, je suis désolé. Je comprends, merci. L'horloge a perdu 1 minute. Ok, ça c'est pas trop mal. Est-ce que je peux mettre mon drone de combat quelque part? Non, toi, ce serait bien que tu réussisses à pirater, s'il te plaît. Tu peux être un bon... baisse le niveau d'alerte, s'il te plaît. Après, je sais pas s'il y a des guerres ou quoi. Il y a trop de surveillance autour. Ah, merde. Aïe, 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 aïe. Ok, qu'est-ce que tu veux, Montagnier? La mauvaise nouvelle, la Turquie a finalisé le projet Caméléon. Ok. Caméléon capable de modifier la structure du visage de leurs agents. Oh là là. Pas pourquoi, mais je pense que cette partie, je vais me faire déglinguer, moi. On va pirater les États-Unis et on va leur demander de baisser le niveau d'alerte. Quand même. Ok, toi, t'es dispo. Toi, t'es dispo. Alors, ah oui, là, il y a un conflit. Il y a un conflit, on va envoyer le drone. On va l'envoyer en Inde. Bah, je suis pas trop allé en Inde pour le moment, donc on va regarder ce que ça fait. Ah, bien, ça baisse de 20% en Allemagne. Allez, on va lui demander de continuer à pirater. On a un bon pirate, on va essayer. Ok, bien, je suis très bien. Alors, toi, est-ce qu'on le connaît, lui? Non, tiens, tu vas enquêter sur ce diplomate. On le connaît pas. Toi, Susan Harris, on sait. Bon, bah, pourquoi pas l'identifier, lui? Pourquoi pas l'identifier, comme ça on va voir, on va peut-être essayer de le faire venir. On va essayer de se focaliser là-dessus, mais... Nouvel agent débloqué, alors. Faudrait que je regarde aussi si je peux me prendre un nouvel agent. Ok, ils ont le projet GeForce. Ok, entre les mains de nos ennemis, les ressources fossiles auxquelles ils ont désormais accès vont leur donner un avantage. Ok, d'accord. Le dragon est satisfait par votre travail, votre drone nous a aidés. Ok, très bien, nous avons viré une somme conséquente, ça me va. Ça me va. Ok, en plus, moins d'une minute sur l'œil atomique. Ah, confirmez que vous... Merde, ok, c'est une alliance dangereuse. Acceptez-vous cependant que... Alors, nous savons qu'ils menacent et passeront l'action à partir du moment où vous retournerez contre eux. Collaborez avec nous. Allez, on va essayer de collaborer avec eux, on verra. Votre réponse est un soulagement. Nous aurons besoin de localiser le leader du groupe. Ok... D'accord, donc on va laisser le drone de surveillance sur la Chine, parce que je pense que là il va y avoir des problèmes en Chine. Toi, tu vas continuer à enquêter, on est bon. Je voulais regarder, ça c'est... Ah, les agents. Conjoint, agent, scientifique, scientifique. Je peux pas les... Genre toi, je peux pas t'acheter, non, je peux pas t'acheter. Groupe d'invités, ok. Non, j'ai pas de quoi... J'ai l'impression que j'ai pas de quoi recruter, en fait. Bon, c'est pas grave. Fin du tour, on va voir ce que ça donne. Alors, ok... Ah, il a bien baissé le niveau d'alerte. Ça, c'est cool. Kaznav, qu'est-ce que tu me veux? Par plaisir, mais il tourne à la catastrophe. Le ministre pense que vous pourriez renverser la situation. Nous avons une dernière chance. En donnant quelques secrets... ouais, mais non. D'accord, nos secrets pour la paix, non. Nos secrets nous appartiennent. Oh là là... J'ai pas envie que ce soit la paix, vite, mais on va le faire, on va pas déconner non plus, quoi. Notre nation annonce qu'elle cède ses recherches Sigma en échange de la paix. Oh. Bon, alors du coup, ils ont toutes nos recherches, par contre. Ma relation augmente vachement, et l'horloge atomique de fin du monde est à moins 2 minutes. Bon, c'est pas trop mal, quoi.
Je sais pas si j'ai un peu baissé mon cul, ma culotte, on va dire, mais on verra. Le gouvernement revient, abonne-les à la course. Ok, trop bien. Alors, le gouvernement abandonne, on va y aller, on va essayer de recruter. On va faire une infiltration, on va essayer de recruter. Toi. Alors, ça. Libertin. Prisonnier, scientifique, travaille sous la contrainte. D'accord, on va essayer de la séduire. On va voir ce que ça donne. Toi. Pirate, il faut que tu baisses absolument l'indice de. Le niveau d'alerte, parce que sinon ça craint. Toi. Essaie d'identifier, on verra ce que ça donne. On va essayer de leur piquer au moins un scientifique, quoi, ce serait cool. Colonel, mauvaise nouvelle, l'Inde a finalisé le projet Cher. Ok, Cher, ça fait quoi? De combien d'un? Nous ignorons de quoi il s'agit, merde. Depuis l'érive financière. Ok, d'accord, donc c'est de la thune, quoi. Bon, alors ce que ça donne. Hypnose. Ce qui accélère nos recherches, ma crainte que les découvertes soient. Ouais. Colonel, nous avons perdu un membre de notre équipe. Non! Sérieux? Oh là là. Oh, ça c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Ouais, localiser scientifique, toi, s'il te plaît. Oh non, ça, si je commence à perdre, en plus, c'est relou. On sait perdre des scientifiques, on n'est pas bon, quoi. Ah, lors de votre prochaine partie. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est débloqué pour la prochaine partie. Colonel, vous collaborez avec nos ennemis? Bah oui. Vous pensiez que nous n'étions pas sérieux? Préparez-vous à payer le prix de la trahison. Bah, j'ai pas peur de toi, hein. L'agent Tiger va procéder à l'exfiltration. Ok. Cliquez sur le bouton agent. C'est toi, Tiger? Ouais. Ah oui, vas-y, exfiltre. Oui. Oui, exfiltre. Ok, c'est ça. L'objectif de l'exfiltration est d'accompagner mon agent vers un point d'exfiltration sécurisé. Plus mon agent sera sécurisé et moins nous aurons recours à la violence. Ok. Voici l'état d'alerte des autorités. Plus mon agent sera discret, moins les autorités les poursuivront et moins elles seront nombreuses dans les affrontements. Ok, d'accord. Voici l'arme de mon agent. Ok, ça c'est bien. Cet emplacement indique si mes drones. Bah oui, j'ai pas de drone. Des bonnes relations. Bah vas-y, hein, commence, hein. D'accord. C'est marrant en fait, il y a un petit gameplay comme ça. Je suis sur le toit d'un immeuble. L'itinéraire indiquait que je devrais aller où là, pardon, excusez-moi, dans un immeuble voisin, mais il a été démoli. Je vais devoir revenir en arrière. Il y a des cartons tout en bas. Ça pourrait amortir ma chute. Mais c'est assez risqué. Non, prends aucun risque, s'il te plaît. Non, non, prends aucun risque. Allez. Je passe devant un restaurant luxe. Il y a un service de voiture à l'intérieur. L'intérieur semble un endroit parfait pour brouiller les pistes. Oui, tiens, très bien. Ça, c'est pas con, ça. Impossible de rentrer. J'ai le droit à un scandale. Je poursuis. Oh, merde. J'ai pas de drone. C'est con, ça. J'aurais dû mettre les drones. Je le saurai pour la prochaine fois. C'est une longue histoire, mais un policier a trouvé mon comportement suspect. Et maintenant, je suis à l'arrière de sa voiture, en route pour le commissariat. Il n'a pas en découvert ma réalité. Oh, non. Tenter de le corrompre? Il a refusé. Il a voulu me noter, j'ai pu m'échapper, il a appelé des renforts. Ok. Oh là là. Je sens que c'est mal parti cette histoire. Je suis dans une petite rue pleine de monde. Les autorités nous ont menacés pour dévier la foule vers un poste de contrôle. Je suis encore incognito, mais pas pour longtemps. Surprenez les autorités au moment du contrôle. Sortez de ce piège calmement. C'est fait, je suis loin du dispositif. Ouh, très bien. Allez, tu vas le faire, mon gars. Il y a une patrouille devant moi, mais ils n'ont pas remarqué ma présence. Je peux tenter de voler une de leurs interfaces de communication personnelle. J'aurai accès à toutes leurs positions. Est-ce qu'on tente ou pas? Allez, on tente. C'est fait, je vous transmets les positions des patrouilles. Ah, ouh, un peu de chance, c'est bien. Un véhicule d'intervention urbaine remonte lentement la rue dans ma direction, accompagné d'un commando armé. Oula! Nous dégageons la voie avec un drone de combat. Non, dissimulez-vous. Dissimule-toi. En entrant dans un bar, j'ai fait tomber le plateau du serveur, ce qui a été. Oh non. Oui, échappe-toi à l'arrière-boutique. T'es en galère, mon gars, hein. Je traverse le campus d'une université. Je viens de me faire interpeller par un vigile. Je n'ai pas de badge d'identification. Dites-lui que vous avez un. Assomme-le. Allez. Ce n'est pas tout à fait discret, mais j'ai pu m'enfuir. Va pas là, hein.
veux une grande manifestation, une manifestation. Ouais, mets le taux aux gens. Attends, ça c'est pas con ça. C'est l'endroit idéal pour perdre mes poursuivants. J'ai quitté mon mouvement. J'ai quitté le mouvement, pardon. Juste pour un temps. Ok, on est pas trop mal. Merde. 7, bon, 8 policiers. Ils regardent partout. Je suis sur le point de me faire repérer. Fuir peu risqué. Bah fuis hein. En cas de succès, l'agent s'échappe et avance vers. Vas-y, fuis. Sans succès. J'ai pris une balle. Merde. On essaie de fuir encore. Ouf. Ça va. Un camion de livraison stationné à côté de moi. Les clés sont sur le contact. C'est une belle occasion. Oui, vas-y, prends. Allez. Un camion dans ces petites rues, ce n'était pas une très bonne idée. Je crois que la police me poursuit. Je dois abandonner le véhicule. Merde. Oula, oula. Merde. Bah vas-y, hein. De toute façon, fuis, hein. T'as pas le choix, hein. T'as réussi à fuir, mais il y a l'autre. Ok. Allez, fuis. Bien. T'as chaud au cul, mon gars. T'as chaud au cul, Tiger. Je suis dans un quartier piéton aux rues étroites. Je crains d'avoir dévié l'itinéraire. Faites confiance à votre instinct, nous allons vous guider grâce à... Bah, fais confiance, t'as pas le choix. Je suis totalement dévié de l'itinéraire, j'ai croisé une patrouille de recherche, je dois m'enfuir. Merde. Oh. On avait réussi à se barrer. T'as pris une balle, allez, fuis encore, fuis s'il te plaît. T'es midlife. Allez, fuis. Tu vas pas te battre, quoi, sérieux. T'es bientôt là, t'as fini. J'ai croisé un agent ennemi. Il est à ma position, non, finalement, j'ai pu lui échapper. Ok. Non, 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 putain. Allez, te prends plus de balles, s'il te plaît. Tire. Hein. Merde. Ouais. J'ai essayé de le tuer. Et, fixation échouée. Bon, bah voilà. Perte civile aucun, vitesse. Je ne peux pas le prouver, mais je sais que vous êtes derrière cette opération. Merde. Oh, pourquoi Tiger? Pourquoi toi? On peut pas recruter agent. Ah si, Tiger, il est là. Il est là, mais je l'ai plus. Ah, tu crois qu'il est en... Ah non. Je pensais, je me suis dit, il est peut-être en... Oh, fais chier. Bon, bah tant pis. C'était bien marrant, cette petite infiltration-là. Enfin, exfiltration, pour le coup. Je pensais que la carte des États-Unis c'était un piège informatique. Ok. Ah, il y a le chinois. Des individus haut placés en Asie sont réunis pour dénoncer votre action. Les relations diplomatiques sont considérablement dégradées. Colonel, le service a mis à jour la liste des agents indépendants actuellement disponibles. Alors, je vous écoute. On m'a recommandé vos talents. J'ai besoin de quelqu'un pour étendre la relation. Avec la paix de Dieu, les conflits dans ce monde. J'ai besoin de tueurs sans scrupules. Ouais, ça me va, ça. Félicitations. Ouais, très bien. J'ai besoin de tueurs sans scrupules. On va l'envoyer là, et moi... Je vais tenter de tuer maintenant avec lui. Ok, vous voulez être mes ennemis? Vous voulez être mes ennemis? Vous êtes sûr? Eh ben, allez. Mince, au moins un agent. Mince, c'est toi. On va l'envoyer là... En infiltration... On va envoyer un drone de combat et de surveillance et on est bon. On va tenter de leur piquer 2-3 trucs quand même. Professeur Montagnier. Colonel, mauvaise nouvelle, la corridor. Ah, ils ont découvert la Switch. Mais sympa la Switch. C'est une IA intégrée dans les drones de soutien. Ok. D'accord, nous sommes satisfaits. Ah ouais? Vous êtes sûr? J'ai organisé un petit séminaire dans mon manoir. Il y a quelques lobbies. J'ai présenté un scientifique. Ah ok, d'accord. Avec plaisir, d'accord, très bien. Je ne cesse de dire du bien de vous. J'ai bien fait, à charge de revanche. Professeur Montagnier refuse de travailler. Vous êtes sérieux? Oh là. Mince, non. Il y a toi, toi, qu'est-ce que tu fous là? T'es en France, j'aurais bien aimé leur piquer des... Comment ça, il y a qui? Ah, il y a toi, pardon. Alors... Le professeur, lui, on va essayer de l'enlever. Voilà. À vos ordres, l'enlèvement aura lieu demain. On va voir ce que ça donne. Ah, très bien. J'attends votre feu vert. Vas-y, vas-y, exfiltre, exfiltre, exfiltre. C'est bon? Oui, exfiltre. Bon, eh ben, c'est le gameplay des exfiltrations, hein, les gars.
Drone de surveillance non disponible, non disponible. Bon, oui, je sais. Alors, c'est loin, c'est loin. On va voir ce que ça donne. J'aime bien en plus cette petite séance de gameplay, c'est cool. Je suis dans un bus. On arrive à la prochaine station. Je vois un groupe de policiers prêts à contrôler les passagers. Descends comme si de rien n'était. Je sors du bus, mais je pense avoir. Ouais, je pense pas, hein. Aïe. D'où il te voit ? Éliminez. Éliminez. Ordre refusé, je ne tuerai personne. Quoi ? Ok, au moins tu t'en es débarrassé. Ah merde, mais toi tu veux. C'est peut-être lui qui veut éliminer personne qui est un non-violent. J'ai vu une patrouille foncer sur moi. Et j'ai traversé la route pour les éviter au moment où une voiture arrivait. Je n'ai pas été assez rapide. Ok. Qu'est-ce que je te dise, moi ? Neutraliser plus risqué. Vas-y, neutralise-les. Bien, c'est cool, un expert en arts martiaux, il est. Fouille la route. Je longe de grands immeubles de bureaux. On dirait une société informatique. Traverser l'immeuble me ferait gagner du temps, mais on dirait que tout est sécurisé. Non, reste sur l'itinéraire. Reste sur l'itinéraire, parce que ça sent la merde, ça. Ça pue la merde, mais à 2000. Je suis dans une petite rue pleine de monde. Les autorités ont assez. Ah! Sort du piège. Impossible de sortir. Merde. Du coup, il s'est enfui, mais un camion de livraison est stationné. Vas-y, prends-le. La dernière fois, j'ai pas eu de chance. Ok, bon, je le prendrai plus. J'ai pu prendre un bus au dernier moment. Ok, très bien. Ah, c'est bien. C'est vachement plus rapide, là, pour le coup. Je suis sur le toit d'un immeuble. Il t'a dit que je devrais aller dans l'immeuble voisin, mais il est démoli. Ah ouais, alors, c'est souvent les mêmes choses, par contre. Alors, non, tu descends sans risque. Tu vas pas te faire mal non plus. Yes! Je ne peux pas le prouver, mais je sais que vous êtes derrière tout ça, je m'en fous. Allez, ça c'est cool. Ça me fait un nouveau scientifique. Localise encore des scientifiques. Et c'est la fin du tour. Ok, c'est bien, on avance. Alors, bien, ça c'est le nouveau scientifique. Califat du Levant, qu'est-ce que tu me veux, toi? Nous voulons faire naître la République islamique, t'as raison. Nous souhaitons solliciter votre aide. Passer un ransomware aux États-Unis, machin. Ouais, t'as raison, je vais faire ça. T'as raison. Alors, toi, piratage, non. Il est encore à l'hosto, lui, ou pas? À l'hosto, ah oui, il est à l'hosto, d'accord. Du coup, j'ai eu un scientifique en plus. C'est pas trop mal. Alors, toi, pirate, tu vas... Tu sais quoi? Tu vas placer un ransomware. Et toi, tu vas... je vais les enlever, moi, maintenant. Je m'en fous. Je décide de les enlever, les scientifiques, tant pis pour vous. L'art de l'Allemagne, tout, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a? Mauvaise nouvelle, la Turquie a le projet Miracle. Ok, mince. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Capable de sonner leurs agents sans aucun délai. Ok, mais en fait, c'est pété, les gars. T'as pas pu l'enlever? Allez, enlève. Enlève-les. Tiens, toi, tu vas pirater et tu vas baisser le niveau d'alerte. Hop, on est bon. Fin du tour. Fou. Bien, alors lui, il a réussi à l'avoir, le scientifique. On va continuer une petite expérimentation. Ton agent, Shiva... T'as besoin de Shiva, c'est avec plaisir. C'est qui déjà, Shiva? On va lui donner, parce qu'on veut garder de bonnes relations. Merde, ah, ok, c'est lui. Bon, c'est pas grave. Pirate-moi un coup, s'il te plaît. Tu vas baisser le niveau d'alerte. Toi... Bon, on va t'emmener aux États-Unis. Non, en infiltration. Fin du tour. Alors, est-ce que j'ai re-Shiva? Mais du coup... Merde, mais du coup... Ah, exfiltré. Oui, allez, hop, troisième exfiltration de la vidéo. Bon, alors lui, c'est un bourrin, donc on va y aller en mode... Ah, et j'ai le drone d'attaque et de surveillance, c'est cool. Ok, là, moi, je suis sûr que ça va bien se passer. C'est obligé. Je suis dans un quartier piéton rue étroite. Je crois d'avoir été dévié. Fais confiance à ton instinct, toi, tiens. Je suis totalement dévié, merde. Bon... Bel instinct, je suis là, bel instinct. Une voiture de police approche doucement. Si je me jette dans une rue, je pense que je peux lui échapper. Faites leur face et prenez leur véhicule, grave. Tu l'as eu? Yes! Seul conducteur, il est KO, j'ai son véhicule, je suis en train de fuir. C'est cool ça! Agent Shiva, notre drone de surveillance indique que vous approchez d'une patrouille de recherche. Utiliser un terrain impossible. Bon, ok, en fait, c'est ça, ce que tu me dis.
Arrivé dans une zone d'interception, sautez-vous, utilisez votre drone de combat, oui. Ah merde, il y avait un cooldown, ok. Grave erreur, perte civile 13. Oh putain. Ok, bon, alors là je pense que les répercussions, elles vont être dramatiques. Vas-y, élimine, c'est pas grave. Allez. Bon. Et ben alors moi, j'étais sûr que c'était finger in the nose. Mais bon. Oh là là. Bon, il est toujours en bagnole, remarque. Hein. Très risqué. Bon, bah alors fuis plutôt. Fuis, s'il te plaît. Fuis. Allez, tu vas le faire. On voulait éviter des patrouilles, je me suis retrouvé sur une route éloignée de la ville. Non, abandonne le véhicule. Tu vas pas rouler à contresens, s'il te plaît. Attention, il se rapproche, J'ai fait n'importe quoi, là. J'ai tiré dans la foule, quoi. Un véhicule d'intervention urbaine remonte lentement dans la rue. Dissimulez-vous. Pourtant, dans un bar, j'ai fait tomber le plateau du serveur. Encore, mais en fait, vous faites tomber que les trucs du serveur, quoi. Allez, on va le faire, les gars, on va le faire. Un policier a reconnu mon signalement, mais je l'ai attiré dans une ruelle. Neutralisez-le. Très bien. Attention, mec. Fuis. Je passe devant un centre des congrès. Les perdings de luxe, nombreux chauffeurs attendent les hommes d'affaires. Ah oui, ils volent un véhicule, tiens. J'ai plus volé un véhicule, mais une arme s'est enclenchée. Ils sont en train de me poursuivre. Merde. Oh. Allez. Tu peux le faire. Tiens. Pas sur le trottoir, je m'en fous. Provoquer une panique. Par contre, la police a bien remarqué ma manœuvre. Allez, vas-y. Roule. Ouf. Oh là, c'était franchement chaud. Et alors là, les États-Unis, ils me détestent. On va l'amener lui en infiltration. Là, les États-Unis me détestent. Colonel, nous sommes en conflit ouvert avec les États-Unis. Nous positionnons agréablement nos troupes pour faire face à leurs attaques. Bien que cette situation soit due à votre gestion de la diplomatie, votre hiérarchie vous soutient totalement. Bon, ben, ça va être la guerre, hein, les gars. Toi, tu te soignes. Toi, tu vas aller aux États-Unis pour essayer de baisser. Ah non, impossible en restant de la guerre. Alors, est-ce que je peux pirater de loin? Je peux. L'occasion. On va voir si on peut baisser le niveau d'alerte. Je sais pas, hein. Si, toi, tu vas là, toi. Ah merde, ils ont fermé leurs frontières. Ok. Bah tu retournes en France. Tu peux pas retourner en France? Bon, infiltre-toi là, on verra bien. Ok. Bon, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Cleaner Coins. Ça fait quoi, Cleaner Coins? Depuis... Ok, bon, en fait, ça leur file de la thune. Fidelis. Ils ont plein de technologies et moi, je suis en guerre ouverte. Donc, l'agent Espoir nous a quittés et les a rejoints. De quoi? T'es sérieux, Espoir? Tu t'en vas alors que tu m'étais fidèle? Je suis deg. Les Russes abandonnent. Bon, bah, vas-y, laisse-les abandonner, c'est pas grave. Ok, bon, j'ai plus trop d'agents. Tu vas là, toi, hein? Non? Pas en retournant. Bon, alors toi, qu'est-ce qu'on pourrait te faire faire du coup? Chercher une arme, localiser des scientifiques, reconnaissance. Peut-être une reconnaissance, on verra ce que ça donne. Aïe. Bataille à Paris entre les armées de la France et les États-Unis. 19 000 soldats tués. Côté France, 3300. Oh là là. Bon, ouais, je pense qu'on va perdre. On va perdre la... ça, hein. Je pense pouvoir utiliser nos technologies financières pour quelques transactions. Ok, allez, vas-y. Graisser la patte de nos relations diplomatiques. Non, vas-y, finance. Finance. Bien noté, je ferai le nécessaire. Ok. Gaznav, qu'est-ce qu'il y a? Colonel, les armées ont mis à jour la liste des agents. Ok, allez, prends-moi ça. Toi, t'es une kung-fu, nous sommes une famille. Ah ouais, je m'occupe de ton mandat d'arrêt. Ça te va? C'est pas très intéressant, tu te fous de ma gueule?
Bon, écoutez, en tout cas, c'est la fin de ce let's play. Là, je vois qu'on est quasiment à une demi-heure. On doit y être d'ailleurs à une demi-heure. Il s'est passé plein de choses, c'était bien cool. Je vous donne rendez-vous dans le numéro 3. N'hésitez pas à vous abonner, à poster vos commentaires. Je vous réponds toujours avec grand plaisir. Allez, ciao, ciao.